Les pensions belges sont parmi les plus faibles d'Europe. Le montant perçu est souvent trop éloigné du dernier salaire reçu. Mais qu'en pensent les travailleurs ? La pension pour soi, pour l'instant, pour moi, ne sera pas suffisante. Vu comme le monde évolue, je pense que aussi il faut augmenter les pensions en fonction de ça. Nous, à notre échelle, en gagnant notre vie, on voit que c'est parfois difficile de joindre les deux bouts. Alors, on peut s'imaginer dans le futur, avec la vie qui augmente, tout augmente. Et donc, est-ce que réellement, si les pensions, si on ne se met pas d'accord sur un système de pension convenable, il y aura des problèmes plus tard financiers. On a les pensions parmi les plus basses d'Europe. Et donc, pour que les travailleurs aient confiance dans notre système de pension, il faut absolument revaloriser nos pensions. Et à en croire certains, cette revalorisation du niveau de vie des pensionnés de demain, cela passe par les assurances. Cela passe par le deuxième et le troisième pilier. Le pilier des assurances complémentaires, auxquelles on cotise, les employeurs cotisent au niveau du secteur ou d'une entreprise, ou que tout un chacun épargnant peut se constituer via une épargne-pension. Pour nous, à la CSC, c'est important, c'est que cette revalorisation des pensions, elles se fassent en priorité absolue par les pensions légales, par le système du premier pilier. C'est grâce à celui-là que l'ensemble de nos pensionnés de demain devraient pouvoir bénéficier de pensions décentes. Pour la CSC, il est important de pouvoir revaloriser les pensions en diminuant la carrière exigée pour une carrière complète et la remettre à 40 ans, 40 ans de carrière. Pour nous, il est important aussi c'est qu'il y ait une indexation automatique au bien-être des pensions. Donc une liaison des montants de pension par rapport à la hausse des salaires et par rapport au niveau de vie.